fils d'Ebit Nour, un bon citoyen tchadien, a posé un geste fort. Ce matin, dans le jardin du palais présidentiel, le premier tchadien, muni de ses gants, a mis en terre des plants. Une conduite simple, citoyenne et imitable. Cette action entre dans le cadre des activités de la Semaine de la citoyenneté, lancée le 13 août 2018. Une initiative des jeunes citoyens tchadiens avec à leur tête Nahira Bakar. Le chef de l'État Idriss Déby Itno appelle ses concitoyens à planter des arbres et préserver les formations végétales. Conformément à la loi numéro 014 du 2 juin 2008, portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques, le président de la République rappelle aux Tchadiens que la coupe des arbres est interdite car elle détruit notre environnement déjà menacé par la désertification. La question de l'assainissement est également abordée par le chef de l'État. Il invite les Tchadiens à nettoyer l'environnement dans lequel ils vivent au quotidien et donner un exemple à la génération future. La contribution de tout un chacun est essentielle dans ce processus qui veut faire du Tchad un pays vert et propre. Cette semaine offre l'occasion de sensibiliser les jeunes sur certains thèmes de notre société comme l'amour de la patrie, la salubrité, le respect du prochain et de l'environnement. Ensemble, changeons notre quotidien. C'est toute une philosophie. C'est vraiment une idée géniale. C'est une action citoyenne. Bien d'un jeune. Et qui s'adresse pas simplement aux jeunes, mais à toute la population tchadienne. On peut changer notre quotidien par quoi ? En plantant simplement les arbres. Nous sommes un pays sahélien menacé par le désert. Donc il est important que ce que je viens de faire, c'est un lancement en fait d'une action de grande envergure, pas seulement en Djimana, mais qui doit se faire aussi dans le reste du pays. Préservons ce que nous avons comme couverture végétale et plantons des arbres pour notre mieux-être et mieux vivre pour nous, pour les générations actuelles et pour les générations futures. J'encourage tous ceux qui se mettront dans cette logique de la philosophie de planter les arbres, les nourrir jusqu'à ce que ces arbres deviennent assez grands et donnent l'essentiel, l'oxygène, la vie, c'est ça, l'oxygène c'est aussi la vie. Donc tout en félicitant mon fils Nair qui a eu cette idée géniale, j'appelle à tous les Tchadiens de faire ce que moi je viens de faire, c'est le lancement d'un processus long mais qui ne s'arrêtera pas aujourd'hui, demain, qui va être continué. Ça va être aussi en même temps couplé par l'assainissement de la ville, l'assainissement de nos villes. Et ça aussi, c'est une action citoyenne. Les gens, les Tchadiens doivent apprendre à travailler pour leur pays, pour rendre leur vie meilleure, leur environnement sain, et aussi, bien sûr, préserver en particulier le peu qu'on a, je répète encore, comme couverture végétale dans notre pays. Il n'y a aucune raison de couper les arbres. Il faut plutôt préserver ce qu'on a et puis planter d'autres.